Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte. Et aujourd'hui je vous présente le jeu Bloodstrike, qui est un battle royale énormément inspiré de Call of Duty Mobile. On le dit aussi Warzone Mobile, mais je trouve pas spécialement. Mais le jeu a du potentiel, il n'est pas encore disponible à ce que je sache sur les stores français. Il est que disponible par un APK. Et les gars, petite sensibilisation, faites attention où est-ce que vous téléchargez vos APK. Mais tout d'abord les petits points avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, parce que ça soutient la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous kiffez ma tête de con. Bref les gars, on perd pas plus de temps, on va directement sur le jeu Bloodstrike. Alors, dans cette vidéo les gars, encore une fois, je vais pas présenter l'interface parce que l'interface, on la connaît tous, c'est toujours pareil, toujours. En termes de gameplay, il y a du Battle Royale classé, il y a du Squad Fight classé, donc ça c'est 4 contre 4. Vous avez la Hot Zone, Gunfight, Squad Fight et Battle Royale Matchmaking, game non classé et le centre d'entraînement. Moi ce que je vous propose dans cette game, c'est qu'on fasse du Squad Fight et pas du Battle Royale. Pourquoi? Parce que le Battle Royale, je vais être honnête avec vous, il est rempli à 80% de bots, enfin du moins quand on est bronze. Donc on oublie, ok, le Battle Royale, mais il y a du Battle Royale. Et c'est vrai que ça donne envie d'y jouer, mais quand il y a des bots, moins. On part du coup en squad fight. Ce jeu a du potentiel vraiment dans ce mode de jeu, parce que c'est rapide, c'est dynamique. Et pour ceux qui me suivent depuis maintenant un petit bout de temps, ça me fait énormément penser à Free Fire avec des graphismes nettement améliorés. Ok, donc là comme agent, je peux pas le prendre, ok, il a déjà été pris. Vas-y, on va prendre Val. Alors, là le micro je vais le désactiver parce que j'ai pas envie qu'on m'entende. Le jeu a quand même du potentiel en termes de graphisme. Là on est comment d'ailleurs en termes de graphisme? On est tout en ultra. La FOV on va l'augmenter un peu. Le shop. Desert Jiggle, une capacité. Donc là on est 4 contre 4, hein. Ouais c'est bien ça. Allez, let's go boys. Donc là du coup on va avoir 20 secondes avant que la zone se referme. Ah ah ah. Donc on a éliminé toute la squad, on ramasse les munitions. Let's go, premier round gagné. Donc on va prendre la scar, let's go. Ça, du coup, le satellite scan, on va le reprendre. Parce que je l'ai utilisé une première fois, mais... Let's go boy. Allez. Aïe 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 aïe. Non non, me termine pas. Non, bah non. Oula, c'est full bugué là. Oulala. Oulou. C'était... Ok. Ah il est là. Ok c'est bon, on l'a eu. Let's go boys. Bon vous avez vu, de toute façon en termes de gameplay les gars, le jeu il est très simple hein. Après on va aller faire du 2v2. Vous allez voir, ce 2v2 il est encore plus dynamique. Normalement. Wouhou. Ok. Bon, on va se dire la vérité les gars, c'était des bots en face hein. Mais bon, ça fait plaisir en vrai hein. Ah là là, je suis le MVP, bah oui, forcément. Bah oui. Forcément les gars. Bon, vous avez vu, les games sont relativement très rapides. Il n'y a pas de game qui dure 50 ans, là. Plutôt cool. Du coup, j'améliore mes armes, le niveau de mes armes. Je vais pouvoir débloquer des équipements. Ok. Battle Royale, j'ai pas envie. En fait, il y a trop de bots dans le mode Battle Royale. Vraiment. Et en toute sincérité.
Autant faire le gun game en vrai. Le gun game. Le gunfight. Putain. Gun game. Oh là là. Gunfight, du coup, c'est du 2v2, les gars. Donc, vous allez voir, c'est encore plus dynamique parce que la map est plus petite. Mais c'est exactement pareil que le squad. Sauf qu'on est que 2 contre 2. Voilà, tout simplement. On va attendre que des joueurs rejoignent. Allez. Non. Non, 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 non. Bah non, bah non, bah non, bah non. Allez. Bon, du coup, il y a la killcam. C'est combien il a fait les graphismes. Non, non. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Bon, tu l'as vu, lui. Ok, c'est bon, il l'a eu. Nickel. Ok, on en a eu un chacun du coup, si je comprends bien. Nickel. Ah, il y avait son collègue, il y avait son collègue. Il est en train de le réa. Let's go. Putain. Allez. Putain, on a pu faire une full win en vrai. Ah oui, il était vraiment pas à côté par contre. Hein. Il y avait juste son petit cul qui dépassait là. Oh la dinguerie. Vas-y Mickaël, je crois en toi. 1v1 Mickaël. Non Mickaël, non. Allez Mickaël. En plus la zone. Oh Mickaël, derrière toi Mickaël. Wouh. Let's go. Waouh. Hey, carré là mon coéquipier là. Par où, gauche ou droite? On va rester à deux. Let's go. Par contre, c'est lui qui a eu le kill. Il m'a piqué le kill, hein. En vrai, ce jeu, il en jette. Je kiffe. En fait, c'est dynamique. En plus, les graphismes sont agréables. Mon téléphone n'est pas si chaud que ça. Ok, ok. Et ben, en vrai, les gars, ce jeu, il a du potentiel. Je vous le dis, vraiment. Comme ça. Nickel. Confirmé. Voilà, c'est là que j'ai fait une faute d'orthographe. Et j'ai dans le trulu. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à m'ajouter. Du coup, mon ID est juste ici. Donc, ajoutez-moi. Pourquoi pas. Je vous refuse pas. Et puis, en vrai, pourquoi pas évoluer sur le jeu. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. En vrai les gars, très bonne découverte, le jeu est agréable à jouer. Pas de bug, mon téléphone ne surchauffe pas. C'est vrai que j'ai fait du Battle Royale mais il y a énormément de bots. Donc du coup j'en fais pas de vidéo parce qu'il n'y a pas d'intérêt de jouer contre des bots. Je préfère limite faire des modes dynamiques avec des bots pour vous montrer que le jeu est dynamique, que de faire un Battle Royale où je me fais chier et honnêtement il n'y aura pas de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez à ce jeu et pourquoi pas m'ajouter. Et pourquoi pas continuez des vidéos dessus si vous le souhaitez. Moi sur ce les petits potes, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je dois vous laisser ici, c'était FC Trag. Bye bye.